nous avons les images de l'équipe à New Jersey. Et à partir de ces images, qui ça moi? Moi que son jazz qui prend un pile maturité. Moi son jazz qui a joué avec maturité, côté qui a pensé son jazz qui a 5, 6, 7 ans. Tellement que nous avons appliqué, j'ai joué. Moi, je remarque que dans le jazz, il y a un bassiste qui a remplacé Drasso, ou bien qui a remplacé Drasso, comme bassiste, mais il a remplacé Drasso. Moi, je remarque que je suis un très bon bassiste. Je pense que Drasso était pour moi-même personnellement, au niveau de génération Palio, une la meilleure bassiste qui est en circulation. Donc, il est clair pour moi que l'équipe a perdu quelque chose sur le plan musical par rapport au départ de Brassis. De Brasso. Mais il est clair pour moi tout que bassiste ça qui vient là, avec le temps, l'a capable de boucher trop vite ça. Donc même qu'il y a un talent, monsieur, l'a touché, monsieur. Moi, confirmé que keyboardiste équipe là, son keyboardiste qui gagne un pile maturité pour l'âge li. Je gagne un pile rapidité, parce que l'on parle de instrument keyboard, la compas, ou obtenu compte de rapidité, ou obtenu compte de précision, ou obtenu compte de sens de la mélodie. Tous les trois, samedi là, yo, yo très présent la caille jeune keyboardiste équipe là. Équipe gon pe guitar qui a point. OK, Chaba en dans équipe contrairement à Landiakout beaucoup plus présent sous tambour. Nous dit nous peut-être que nous pas dit ça suffisamment tellement que Chaba vend tête comme un animateur, mais Chaba son bon tambourineur tout. OK. Et puis n'a privé Kounian sous pêche chanteur devant yo à mon avis qui prend conscience et qui prend confiance. Yo vinn pi à l'aise. Yo vinn moins timide. Ou senti que yo vinn soucié au moins de ça nous-mêmes n'a dit. Parce que son négligence c'est ça n'a dit nous l'attendait. Il capable progresser du tout parce que nous pas fait critique constructive, nous fait critique destructive. Ça veut dire si dit perfect pas un petit qui te gain moral qui pas de encouragement qui pas de un bon entourage qui remonte moralement pour le faire face avec toute levée de bouclier qui t'est faite pour un héros t'est faite l'omballe que les plus grands chanteurs qu'on commet, ça veut dire que t'est détourné l'omballe. Vous avez pratiquement crucifié ce bonhomme pendant presque 2 semaines pour montrer qu'il pas de talent du tout. Simplement parce qu'il était passé à côté d'une soirée. Donc, Diperfect est en train de démentir tout ça d'Abdio. Mbapal dit nous que lui montre que son grand chanteur, Mbap privé jusque-là, mais lui montre que le cas chanté. Et lui montre que lui entre dans une nouvelle discipline musicale qui c'est le compas. Ça va prendre du temps avant que le comporte presque à 100% tant qu'on chante compas direct. Même capable de dire qu'il est sur la bonne voie. Donc là, Sam Tandiam trouve que Diperfect fait énormément de progrès et je trouve qu'il est supporté avec beaucoup d'efficacité par Steve Kay. Ça veut dire que les équipes à jouer, au niveau voix, il y a un travail qui a fait au niveau de chorale là qui est intéressant. Steve Kay qui a chanté, Chaba qui a chanté avec l'autre. Ça veut dire que Jazza bien chita. OK? Jazza bien chita. Donc moi, je suis très content avec l'équipe. Et nous allons regarder rapidement un petit parti, la performance équipe, la New Jersey. Et comme ça, nous faisons ça. J'aime dire à nous-mêmes, c'est musique nous parler. Les nous critiquer, nous critiquer pour permettre de nous avancer. Nous pas critiquer juste pour le plaisir de critiquer. On va regarder l'équipe. Donc, comme je l'ai dit, équipe qui sont en formation quand même qui jeune, mais qui en nette progression. Avec un duo de chanteurs qui est assez intéressant. Ils ont encore du travail à faire, il faut le reconnaître. Pas. Et tu es vraiment formé tête la ligne qu'on va dire là. Donc il y a une période d'adaptation qui peut quand même prendre un certain temps. Et, mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Et puis la qualité de performance musicale équipe là, je pense que son formation musicale cap joue bien. Et qui a la capacité de damer le pion à n'importe qui jazz. Je le dis et c'est ce que je pense honnêtement.